Good morning, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Lunishmat, Moriva, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana, Rachel Shlomo Ben Esther, Richa Batrim Nechemia, ainsi que deux fois Tava, Mori Ben Rout, Betor Shachol et Israël. Si vous savez, vous étudiez une prochaine étude de Mishnah, compte qu'il y a 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zvachim, Perikret Mishnah Chet, Dam Tmimim, Bedam Baale Mumim, Ishafech Lama, Kos Bekosot, Rabbi Eliezer Omer, Im Karev Kos Echad, Ikrevu Kol Akosot. Vachachamim Omrim, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהם ישפך לעמה. On a eu, on est dans le perek chet, 8e perek de Zvachim, le perek à ta'arouvet. Ta'arouvet, ça veut dire se mélanger, les ta'arev. On a parlé dans ce perek d'abord des mélanges d'animaux, de korbanot, qui étaient encore vivants même, qui se sont mélangés avec d'autres animaux, qui pouvaient être soit profanes, soit d'autres korbanot, soit d'autres animaux qui n'étaient pas aptes à monter sur le Mizbeach. Ensuite, on a commencé à entamer depuis le Mishnah Vav le sujet des sangs qui se mélangent. On a parlé du sang qui se mélange avec de l'eau, avec du vin, avec d'autres sangs qui ne pouvaient pas monter sur le Mizbeach. Et on continue justement ce sujet avec de nouveau deux types de mélanges que dans notre Mishnah. Tout d'abord, un mélange de Dam tmimim bedam baale mumim, du sang d'animaux intègres. Ouais, parfait. Apte à monter sur le misbéach entier, qui se sont mélangés avec du sang de baale mumim, d'animaux qui avaient un défaut. Par exemple, il y avait une ola cachère et une autre ola ou deux autres olotes, qu'une fois qu'on les a égorgés, on a réalisé en fait qu'on a fait une erreur. Qu'ils n'étaient pas aptes à monter sur le misbar, ils étaient des baal moum, ils étaient amputés. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi flagrant que ça, ça pouvait être quelque chose de très fin. On n'a pas fait attention qu'il y avait des. Je ne sais pas ce que c'est, des doukines chez Baïn, on mentionne toujours en chasse des doukines chez Baïn, je ne sais pas si c'est des petites peaux qui traînent dans l'œil. Ça peut être aussi une oreille incisée. Ça s'appelle un baal moum. Il y a une halakha qu'il faut apporter un korban qui n'est pas entier. D'accord ? Vous verrez toujours dans la Torah, elle insiste. Tmimim iyu, qu'il faudra qu'il soit tmimim, tamim, entier, qu'il n'y ait pas de défaut, pas de baal moum. Apporter un baal moum sur le misbéach, il y a en cela un interdit explicite de la Torah. À la différence justement de tous les korbanotes précédemment, que tout simplement, ils ne devaient pas monter sur le misbéach. C'est-à-dire, je m'explique, dans la Mishnah Vav, on a parlé de mélange d'eau. Dans la Mishnah Zayin, on a parlé de dam psulim, de dam atamtsit, du sang qui n'était pas apte à monter sur le misbéach. Mais il n'y a pas d'interdit explicite d'asperger de telles choses sur le misbéach. D'accord ? Si tu vas le faire en tant qu'avoda, c'est un interdit. Mais si tu ne le fais pas en tant qu'avoda, Stam, il n'y a pas d'interdit explicite. Il n'y a pas. Ouais, à la différence d'un baal moum, où la Torah l'a répugné, elle a dit ça, tu ne me l'apportes pas. L'autre a crié, vous ne le ferez pas. De ce fait-là, on a un problème technique. Lorsque le sang se mélange avec. Le sang d'un corban se mélange avec de tels sangs qui a un interdit de les asperger sur le misbéach. Alors là, la Mishnah me dit cette fois-ci, Ishafer la Hama. Tu les verseras sur, dans la Hama. Vous vous rappelez, la Hama, c'est le fameux petit ruisseau qui coulait, qui traversait le Beth Amigdash. En plein milieu du Beth Amigdash, il y avait là-bas un petit courant d'eau comme ça. D'accord ? Il y avait une source d'eau, et puis ça. Donc il faudra le verser là-bas, c'est là où on verse tout ce qu'on peut, tous les mauvais sangs, on les verse là-bas, puis on les laisse partir dans la nature. Donc, c'est la Mishnah qui nous enseignait cette fois-ci, plus de discussion avec Rabbi Eliezer. D'accord ? Je reprends encore une fois, Dam Tmimim, du sang d'animaux intègres, Bedam Baale Mumim, qui s'est mélangé avec du sang de Baale Mumim, d'animaux qui avaient un défaut, qui étaient amputés. Alors, Ishafer Lama, ce sang-là, il faudra le verser dans la Hama, dans le petit ruisseau. Kos Bekosot. À présent, on va parler de. On continue à parler d'abord du mélange de sang d'animaux baal moum, mais avec cette fois-ci une différence essentielle, qu'on va parler kos bekosot. On ne parle plus de sang qui se mélange dans un même verre, mais on parle plutôt de verres qui contenaient des sangs qui se sont mélangés entre eux. Je m'explique, on a égorgé par exemple deux corbanotes, trois corbanotes, on va plus prendre même 10 corbanotes plutôt, et il s'avère qu'une fois qu'on les a égorgés, on avait donc 10 Ola, il y en a un seul qui était caché, tandis que les 9 étaient des Baalé Moumine. Il y avait un Baal Moum, un
un animal qui était amputé. Donc maintenant, on a. Excusez-moi, je me suis trompé. Il y avait plutôt. Je reprends. On avait 10, mais il y en avait un seul qui était pasoul et 9 qui étaient cachères. D'accord ? Donc, on se retrouve maintenant avec. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a réceptionné les cendres dans les misrakot, alors on les récupère, puis après, on a mélangé les misrakot. On ne sait plus lequel verser sur les misbéach. Tout d'abord, en l'état, il faut tout verser dans la hama parce qu'il y a un interdit de verser ces vers. D'accord ? Pour le moment, c'est clair. Ce qui se passe, c'est qu'on va parler du cas où, toutefois, il y a eu un vers qui a déjà été pris et qui a été versé sur le misbéach par erreur. Il y avait un Cohen qui n'était pas au courant du problème qui était survenu. Il a pris le misrak, il est parti, il a versé sur le misbéach. Donc maintenant, on a un avantage. C'est que sur les 9 vers qui vont nous rester, il est possible que les 9 soient cachés. Il est possible que l'interdit soit encore là. On a déjà un premier safek. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que on va avoir la même discussion avec Rabbi Eliezer et Chachamim qu'on avait vu plus tôt. On avait vu ça dans la Mishnah. Je crois que c'était, je ne sais plus. Il nous disait de les apporter Shtaim, c'était la Mishnah Bet, je crois. Bref, on avait vu l'histoire avec Rabbi Eliezer, justement, où Rabbi Eliezer nous donnait la possibilité de les faire. On va les faire deux par deux, d'accord. On va reprendre tout de suite le sujet, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est le même principe qu'il va avoir justement Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui va nous dire comme ça. D'abord, on traduit la Mishnah, qui semble dire une chose. Après, on va expliquer que Rabbi Eliezer dit en fait quelque chose un peu plus complexe. Rabbi Eliezer nous dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer. Donc kosbe kosot. Un verre dans un autre, dans d'autres verres. Un verre de dame pasoul. De Baal Moum, qui s'est mélangé dans d'autres vers, dans 9 vers de Kacher. Et, donc, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Im Karev Kosechad, mais Kosechad, si toutefois il y a eu un des vers qui a de toute façon été aspergé sur le Misbéach, donc on est dans une situation a posteriori, où on a déjà eu un qui est parti, on ne sait pas lequel est parti, alors, Ikrevu Kol Akosot. Et bien, on pourra ensuite asperger tous les autres vers, aller les asperger. On va expliquer de quelle manière. Va chachamim omrim, tandis que chachamim nous disent non. Afil ukor kulam chutz me'echad mehem. Même si tous les vers ont déjà été aspergés par erreur, sauf même un seul, car en réalité il faut expliquer qu'il y en avait deux, alors ishafer la hama, malgré tout le reste, il faudra les verser dans la hama, dans le petit ruisseau. Et on explique un petit peu mieux ce que nous dit Rabbi Eliezer. C'est le même principe qu'il y avait dans la Mishnah. C'est la notion. Vraiment, que personnellement, je les ai pas assimilés, donc j'ai peur de trop m'avancer dans des explications. Mais en tout cas, le principe, il est comme ça. Rabbi Eliezer, il nous dit, t'as eu 10 vers, un qui était pas saoul qui s'est mélangé. Tout d'abord, eux, t'as plus rien à faire, tu dois tous les verser dans la main. Si toutefois, il y a eu un que de toute façon, il a déjà été versé, il a été aspergé sur le misbéach. Donc, il est possible maintenant que le Kohen... Il est possible que le Kohen, ce Kohen-là, ait aspergé le sang qui était pas saoul. Il s'avère que maintenant les 9 que tu as devant toi, ils sont tous cachers. Donc en théorie, ils doivent tous monter sur le misbéach. Tu ne sais pas lequel est cacher, lequel n'est pas cacher. Tu as tout d'abord un premier safek. Rabbi Eliezer nous dit, écoute, tu vas prendre les vers, les misrak, deux par deux. Et de ce fait, lorsque tu vas en attraper deux dans la main, alors il est sûr qu'il y en a un des deux que de toute façon tu dois verser sur le misbéach. Alors Rabbi Eliezer va nous dire, tu sais quoi, tu as le feu vert, puisque de toute façon tu as dans les mains quelque chose que tu dois asperger de toute façon sur le misbéach, et ben verse-le, cette fois-ci, il faudra rajouter que tu le considères comme si c'était de l'eau, d'accord? Verse-le, tu considères qu'en te disant que si toutefois il y a le sang qui était cacher, le sang qui est pas saoul qui est à l'intérieur de toi, alors tu n'as pas d'intention d'en faire la zrika, de l'offrir au misbéach, mais plutôt de le verser au même titre que si c'était de l'eau, tu le prends, et... Tu les asperges sur le misbéach comme ça, deux par deux, et là je te permets de les apporter. Ok ? Tandis que Chachamim nous disent, non, même si tu as déjà, donc sur tes 10 vers que tu avais, tu en as déjà aspergé même 8, et tu n'en restes plus que 2, donc il est très fort probable que les deux sont complètement cachés, tu as une très forte probabilité, malgré tout, tu n'as pas de permission de le faire, tu devras malgré tout les verser sur le ruisseau du misbéach. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov.